Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, on est dans un café ici. On vend pas de baguette ou... Dans ce cas-là, file-moi la caisse, salope! Coupez! Non mais, à quel moment tu vois écrit salope sur le texte, là? Ah, c'est pas écrit sur le texte? Je sais pas, ça doit être ta tête qui m'inspire ça. Moi, je t'inspire ce genre de... T'es... Quelqu'un peut lui dire un truc, elle est hystérique, là. Hystérique? Ouais, là, t'es ça va pas, en fait. Non, mais t'es en train de... Non, c'est toi qui m'insultes, en fait. Donc, on se calme, on va faire une pause, là, et on reprendra tout à l'heure, d'accord? Va prendre une pause, là. T'es tendue, ouais. Allez, ça va prendre l'air. Désolée, c'est... Chérie, viens voir, il y a des gens qui veulent faire un film chez nous. Bonjour. Bonjour, Agathe, productrice, et Hélène, la réalisatrice. Alors, comme je disais à votre femme, on cherche un lieu pour tourner une scène de notre prochain film, La Quête. Et il se trouve que votre joli café correspond parfaitement à ce qu'on recherche. Oui, alors on en aurait pour une après-midi, hein, pas plus. Vous seriez évidemment rémunérée pour la location, sans compter que ça donnerait une belle visibilité à votre lieu. Et puis, surtout, nous abordons un sujet vraiment fort. Vous voyez, c'est... Il y a des gens connus dans votre film, là? Oui, évidemment, mais vous comprendrez que nous devons rester discrètes. Bon, en même temps, on peut leur parler de Guillaume, il est censé venir tourner dans leur café, donc forcément... Guillaume qui? Guillaume Canet? C'est Guillaume Canet ou pas? Ah, mais tu te rends compte? Guillaume Canet dans mon café! Dans mon café! C'est Guillaume Canet dans mon café! Oui, bah ça va. Bon, bah je dois en conclure que vous êtes d'accord. Oui. Ok, 1 sur 2, 18e. Action! Bonjour. Une baguette, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, vous êtes dans un café ici. On vend pas de baguette ou... Dans ce cas-là, tu vas me filer ta caisse. Mets l'argent là-dedans! Magne-toi! Coupez! Non mais, c'est quoi ce bordel là? Pourquoi tu regardes objectif maintenant? Mais le bordel, c'est qu'elle me pique mes répliques, cette pute! Non d'accord, en fait si tu jouais bien, j'aurais pas besoin de te piquer tes répliques. Ah ouais? Parce que moi je sais pas jouer moi. Non, tu sais pas jouer non. Mais tu joues aussi avec un côté tiers, donc pas de masque. C'est pas très sympa pour Marion ça. Heureusement que Guillaume il est bonhomme. Mais... Il arrive quand d'ailleurs Guillaume? Il devrait plus tarder. Écoutez les filles, il y a Guillaume qui va arriver donc ce serait bien de se calmer un peu, ok? Donc ce qu'on va faire en attendant, là c'est un pick-up du moment où tu lui donnes le sac et qu'elle met l'argent à l'intérieur. Alors là, on va refaire ce qu'on appelle un pick-up. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre à un moment précis de la scène, en l'occurrence quand elle met l'argent dans le sac. D'accord. Et du coup, après, c'est avec Guillaume, c'est ça? Ok, on peut y aller, là, hein? Le temps, c'est de l'argent, les enfants! Et... Action! Mets l'argent dans le sac! Mange-toi! Coupez! Mais en fait, Hélène, notre réalisatrice, trouve qu'on voit que les billets sortent pas vraiment de la caisse. Est-ce que ça vous embêterait si juste on l'ouvre le temps de cette petite séquence? Bon, c'est quoi ce souci maintenant, là? Excusez-moi, mais vous nous avez dit qu'il y aurait pas besoin d'ouvrir la caisse. Je sais, c'est ce qu'on avait dit, mais Hélène, en fait, a rajouté un plan. Et dedans, on voit vraiment bien la caisse, qu'on est très... dessus. Non mais c'est vrai Sarah, on leur avait dit qu'on n'aurait pas besoin d'ouvrir la caisse, c'est quand même pas très sérieux. Non, je sais Agathe, je suis désolée, mais c'est vraiment juste une toute petite séquence, ça va être 2 secondes. C'est juste que les comédiennes elles vont mettre, enfin vont jouer avec les faux billets, les vrais on va les mettre sous la caisse. Non mais hé, vous êtes sourde ou quoi? Elle vous a dit non? Non mais vous aviez qu'à y penser avant quoi, merde à la fin! Non mais moi j'en ai marre hein, de bosser avec des incompétents Ah bah voilà, bah ça chiale Sarah, on attend quoi? Merde! Non mais si c'est juste pour une fois, on peut l'ouvrir la caisse, non? Oh bah tiens, c'est Guillaume! Oui, Guillaume! Ah, t'es dans le taxi! Ah bah super, hein! T'as cru que... Non, pas du tout! Attends, tu quittes pas une seconde, hein? Merci, vraiment merci beaucoup. Bon, écoutez, moi je vous préviens, on tourne pas là, je me casse en fait. On peut y aller, il y a Catherine Deneuve qui nous fait chier, là. On peut y aller ici. Action! Dans ce cas-là, tu vas me filer ta caisse! Mets l'argent là-dedans, magne-toi! Allez, là! C'est quoi cette sirène? T'as appelé les flics, c'est ça? Allez, là, magne-toi! Allez! Viens avec moi! Dépêche-toi! Attends. Coupé! Oh là! Elle était parfaite! Sarah, va me chercher les flics, j'ai fait le site. Ouais. Mais c'est normal, ça? Oui, c'est des choses qui arrivent tout le temps, hein. On fait du cinéma, vous savez.
Enfin, on devrait peut-être aller les voir quand même. Ah non! Non, vous vous bougez pas et vous restez là pour accueillir Guillaume. Hein, c'est moi la productrice, je vais aller les calmer. Ça suffit, les enfantillages. Mais pourquoi t'as mis du rouge sur ta bouche, toi? Comme ça? Y'a pas besoin d'événements particuliers pour mettre du rouge à lèvres, si? Non. Non. Comme d'habitude, t'en mets jamais. C'est un carnage! Comme des bêtes! Non, mais c'est pas possible. Je suis vraiment désolée, mais on va devoir annuler le tournage, là. En fait, elles sont complètement défigurées. Je vous appelle demain sans faute, voilà. Et encore, merci et pardon. Et Guillaume, alors? Et les filles, on mérite un Oscar! Yes! Quand tu t'es mise à chialer, mais c'était tellement bien, on s'est fait de la tête, oh, mais j'ai vraiment cru qu'il n'ouvrirait jamais alors qu'elle est seule à court. Ah, ok, les filles, j'ai fini les comptes. Ça vous intéresse? Au moins, ils nous ont payé la journée de tournage. T'es vraiment con, toi, en fait. T'as toujours pas compris que c'était pas un tournage. Y a jamais eu de tournage! Ah bon? Mais ils devaient quand même nous payer la location, encore, non? Bon, alors, je viens d'avoir la banque qui me dit que le virement part demain sans faute. Y a eu un petit quiproquo chez eux, ils pensaient l'avoir déjà fait. Moi aussi, hein, du coup, je... Non, je suis vraiment désolée, hein. Bon, et sinon, vous allez voir, hein, Guillaume... Il est charmant, c'est un amour, vraiment. Ah, excusez-moi. Oui, allô? T'appelles qui, là? Bah, la police, pour porter plainte. Mais certainement pas! Mais tu veux qu'on passe pour les couillons dans toute la ville? Normalement, dans 90% des cas, ils n'auront pas porté plainte. De peur de passer pour des couillons qu'on n'a pas vu venir le truc. Ok, mais pour les 10% restants? Pour cela, on sera déjà loin. L'idée, c'est d'en faire un maximum dans la journée. On met en place la situation, on joue chacune notre rôle, le piège se referme. On part avec l'argent. C'est ça. Et du coup, c'est quoi l'histoire de notre film? Je sais, on fait une histoire d'amour. Bah ouais, l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille. T'es au courant qu'on tourne pas vraiment un film, là? Ou sinon, on peut faire un truc engagé. Enfin, ça marche toujours, les trucs engagés. Je sais pas, par exemple, les enfants malades. Les gens, ils osent jamais dire non pour un truc engagé. Pas vrai? Pas vrai. Les gens, ils s'en foutent de l'histoire ou même de la bonne cause. La seule chose qu'ils voudront savoir, c'est s'il y a des gens connus dans notre film. Et puis, surtout, nous abordons un sujet vraiment fort. Vous voyez, c'est... Il y a des gens connus dans votre film, là? De notre côté, on les fixe sur les réseaux sociaux. On découvre de qui ils sont fans. Et oh, machine! Leur star préférée va venir tourner chez eux. Ah, mais tu te rends compte? Guillaume Cadet dans mon café! Dans mon café! À partir de là, à chaque fois que la situation se tend ou qu'il te pose trop de questions, on joue la carte star. Non, vous vous bougez pas et vous restez là pour accueillir Guillaume. Bon, et sinon, vous allez voir, hein. Guillaume, il est charmant. Oh, bah tiens, c'est Guillaume. Le but, c'est de les solliciter tout le temps. Qu'il se passe toujours quelque chose. En clair, qu'ils aient jamais le temps de réfléchir. On fait le spectacle, les filles? Bon, moi, je préviens, je suis la productrice. Bah non, on avait dit que c'était moi qui faisais la productrice. Bon, bah, moi, je fais la première assistante, comme ça, je me teste un peu sur mes larmes. Et moi, la braqueuse. Bon, bah, moi, je fais la réal. J'ai toujours rêvé de dire. Action! Dans ce cas-là, tu vas me filer ta caisse. Je suis désolée, c'est un véritable carnage. Elles se sont battues. Comme des bêtes. Je suis désolée. Alors là, je suis vraiment confuse, mais c'est le carnage. Elles sont complètement défigurées. On va devoir annuler la journée de tournage. Mais... On est obligé d'annuler la journée de tournage. Je vous appelle demain, sans faute. Voilà. Sont complètement défigurées. Je suis désolée, hein. Je vous appelle demain sur foot, voilà. Il n'y a jamais eu de tournage! Ah bon?